Nous sommes dans la chapelle de la Clarté, petite chapelle située sur la commune de Combry-de-Sainte-Marine, commune littorale du Pays Bigouden. C'est vrai que les habitants de Combry-de-Sainte-Marine sont très très attachés à cette petite chapelle. Cette chapelle a encore la chance aujourd'hui d'être ouverte tous les jours. Tous les matins, quelqu'un vient l'ouvrir, tous les soirs, quelqu'un vient la fermer. Alors pourquoi la Clarté? Parce que y a une histoire autour de cette chapelle. Et cette histoire, justement, est racontée derrière moi sur ce magnifique vitrail qui a été réalisé d'après des dessins de Pauline de la Jarige. Pauline de la Jarige était la fille de Lucien Simon, qui est un peintre connu. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous raconter l'histoire de ce vitrail qui se lit un peu comme une bande dessinée, en fait. C'est le jour du pardon, donc on voit justement des bigoudaines, mais pas que des bigoudaines, on voit aussi la coiffe fouénantaise parce qu'il y avait des gens de partout qui venaient à ce pardon. Et on voit ici, à gauche, deux hommes et une jument blanche. L'homme que l'on voit à genoux a les yeux fermés parce qu'il est aveugle. Il s'appelait Guillaume Graal. Et c'est son frère qu'on voit debout derrière lui. Guillaume Graal était un paysan. Il possédait une grosse ferme. Et il était croyant, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ici autrefois. Il était croyant. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il perdait la vue. Donc il s'est dit, je vais aller au pardon de la Clarté. Si je retrouve la vue, je vendrai ma jument, Jeannette. Et je distribuerai l'argent aux pauvres. Donc il est venu au pardon et il a retrouvé la vue. Donc il a vendu un cheval, mais pas Jeannette. Il a vendu un cheval, il a distribué l'argent aux pauvres. Quelque temps après, il a à nouveau perdu la vue. Il s'est dit, je n'ai pas respecté ce que j'avais promis. Donc un an plus tard, il revient ici avec son frère et avec sa jument Jeannette. Il refait son vœu et dit, je promets, je vendrai Jeannette. À la fin de la messe, il va à la fontaine, il prend l'eau de la fontaine, il la met sur ses yeux et il retrouve la vue. Donc, il vend Jeannette. Le soir, son frère revient avec Jeannette. En fait, c'était son frère qui avait acheté Jeannette. Et donc, lors du pèlerinage, chaque fidèle va à cette fontaine et se met de l'eau sur les yeux. Autrefois, même, c'était Bigoudène qui était là avec son petit gobelet et c'est elle qui vous donnait l'eau à mettre sur les yeux. C'est vrai que quand on la voit de l'extérieur ou quand on rentre dans cette chapelle, on se dit « non, elle a l'air en bon état ». En fait, non. Ici, nous sommes dans la partie du XVIe siècle. Cette partie-là a été construite au XVIe siècle. Et puis l'autre partie que l'on voit au fond là-bas, c'est donc la partie XIXe. La charpente aujourd'hui a tendance à s'écarter. Donc il va falloir un gros, gros travail de restauration sur cette charpente. Ensuite, nous aurons un gros travail de réfection de toute la toiture, changer les ardoises, les crochets.
Et puis le troisième gros chantier, ça va être d'enlever tous ces joints qui ont été faits dans les années 60 en ciment. Donc il va falloir piquer tout ça pour refaire des joints en chaux et en sable. Nous avons de gros problèmes d'humidité à cause de tous ces joints en ciment, ce sol qui est en ciment. Donc oui, elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle très rapidement. Donc oui, un grand merci au Pèlerin Magazine.